Et merde, comment je fais pour monter? Eh salut tout le monde, c'est Wario sur l'audio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infamous Second Son. Et là on va terminer, je ne sais pas si c'est une nouvelle mission ou la suite. Non, non, c'est début de la mission. C'est objectif actuel parce que il y a un petit carré dans le près de l'étoile. Attends. J'essaie de monter comme ça. Sinon je suis bloqué à vie là. Plus qu'à relancer le jeu sinon. Et encore je sais pas si ça marche. Non, on voit rien là. Vous voyez quelque chose vous? Ça pour rien. Bon. Bon voilà, j'ai triché un petit peu mais c'est pas grave. En fait je suis parti dans l'eau et du coup ça m'a remis automatiquement. C'est pas vraiment un bug pour moi mais... Remets-moi le néon, merci. Et c'est reparti. Pas vraiment le temps pour ça le DUP, donc dépêchez-vous, faites vos conneries. Ah non, fais pas le con par contre. Ah c'est bon, j'ai trouvé la tourelle. Voilà, bien joué. Non. Ah. Oh ça c'était bien joué ça. Non, il se rend. Il ou elle, mais je dirais plutôt il. Sur le DUP, j'ai pas encore vu de femme à part la patronne. Cette tour n'est plus électrifiée du coup, je pense. Hôtel. Eh ben, on va l'éteindre tout de suite. Je pense une lettre. Ouais, c'est une lettre. On va retirer le haut. Voilà. Et puis... Oh bah, c'était pas nécessaire, mais le E, voilà. Ça fait... Tel. Tel. Personne ne viendra plus jamais dans votre hôtel. Faut déjà avoir des clients, déjà. Petit clash de qualité. Ah, donc, et là où il se fera l'étoile, c'est pour accéder. Je vous en conjure. Nous devons empêcher Delphine de poursuivre son carnage sanguinaire. Delphine a déjà tué des centaines d'entre nous. Peut-être un voisin, peut-être même un parent. Delphine a assassiné mes hommes les plus courageux par centaines. Des soldats du DU. C'est bien parce que t'as Delphine le nom et puis le nom de famille est complètement merdique. Ro quoi. Donnez leur vie pour sauver les vôtres. Faites en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Delphine sera traînée devant la justice. C'est là. J'en fais le serment. Ah ouais, donc là on devra débrancher. Ces gens nous ont vu tous les deux en action. S'ils veulent la justice, c'est pas ma tête qui va tomber. Je comprends pas là. Là-dessus. La défense éliminée, tu peux plus revenir en arrière. Une mensation, bah ouais, mais elle est où? Tu vas la prendre vivante pour montrer à tout le monde ce qu'elle a fait. Ou tu vas la tuer pour ce qu'elle a fait à Reggie. On sait quoi? Ah. Si on exige un karma maléfique, bah ok, on va faire de la merde. Non, je déconne. Et là, révéler la vérité. La virilité. Enfin, j'allais pas vraiment dire ça, mais. Bah oui, bah de toute façon, on va faire ça, c'est ça qu'il faut faire. Il est temps de montrer au monde ce que tu vaux vraiment. La vérité sur Augustine. Et du coup, trouver l'alimentation de la clôture, je n'ai pas le temps de dire, de toute façon, c'est ça. Alors que j'ai tiré dessus, hein, mais bon. Il faut couper le courant pour rentrer dans sa tour. D'accord, le couper, pas le détruire. Ok, je peux faire avec. Oh, j'ai aimé cette mission, je sens. Même si tout le reste est encore actif. Ah ouais. Ah ça va être chiant parce que moi en fait le drone il est un peu plus haut. Et comment on fait pour désactiver? On va faire avec. Hein. Ok, fight. Attends, là il y avait un truc explosif, non? Ah il était plus loin, zut. On voit rien. Et déjà tu me traites pas de fils de... Hein. Vraiment partout les mecs. Put. Voilà, hop, je te fais rouler au-dessus de moi. Voilà, donc là, je peux passer, tranquille. Et là, je ne passe pas, d'accord, très bien. Oui, j'ai compris. Je suis au point de mourir. Non. Oh, comment j'ai volé. C'est bien, il n'y a pas de chargement. Ah, il était plus loin, d'accord. T'aurais pas pu passer. Vous êtes vraiment partout, les mecs. Attends, non, mais... Non mais sérieux. Si je fais de l'action, pas de soucis. Hein. Vous êtes vraiment partout les mecs.
Ah bah en même temps ils sont partout. Ah y'a bien Jill les mecs, donc j'avais raison. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Ah je ne peux pas, très bien. Barto, Barto. Ils sont partout, faut se barrer un moment. Regardez sur la carte le nombre quoi, et encore j'en ai eu. Si vous regardez au début combien il y a de personnes, c'est énorme. Énormissime. Oh lui il a volé. Même pas lui expliquer le sens de la vie quoi. Attends. Oui. D'accord. Ça servait presque à rien. Lui a rien compris. Ah ça fait mal hein. Quand on fait le con ça fait mal hein. Non, non s'il te plaît, il me donne un coup de pied. Mec ton flashball, rentre chez toi. Avec ton flashball. C'est pas un flashball hein, tellement que ça fait mal là. Flashball ça peut te crever les yeux mais ça tue pas forcément. Enfin après si tu peux tuer une personne si tu lui tires dessus comme ça, mais logiquement c'est pas censé tuer directement. Mais tu peux tuer quand même une personne. Ne faites pas ça chez vous hein, n'achetez pas de flashball et ne tirez pas sur les gens avec un flashball. Si vous êtes flic c'est votre problème, mais et encore même si vous êtes flic, faut toujours éviter de tirer avec un flashball. Après c'est votre boulot, je sais très bien. Moi même je veux devenir, hop tu fais une galipette. Et ne faites pas de galipette avec les gens, ça peut être très dangereux. Je déconne pas. Non parce qu'après moi je vais avoir des problèmes, j'ai pas envie de m'appeler Logan Paul. En tout cas, je pense que cette note de fin de jeu, elle sera vraiment grosse. Hein. Enfin, elle sera grosse, elle sera pas énorme, mais elle sera assez grosse quand même. Hop, une galipette. En fait, faut pas rester appuyé longtemps. J'arrive, petit drone, après. Ton pote est mort? Je sais pas. Oh, mais l'ont fini. C'est con, ça. Hein. Il reste plus tellement de personnes, là. Le patrouille du DIP qui vient de se barrer. Mais monte! A de faire pour un handicapé. Ah! Bon, lui est mort. Il reste plus que cette personne formidable qui se rend en haut. Formidable. Mon œil, oui. Bon, le drone, il est pas là du coup. Et là, je dois faire quoi? Je dois désactiver le courant, c'est ça? Attends. Et fait exploser. Exploser là, d'accord. Générateur, il est ici, non? Ah, attends. D'accord, je viens de comprendre. Parce que j'avais pas le bon, je crois. Générateur. Le drone. Ah, c'est gênant. Non. Pendant tout ce temps, j'essaie d'avoir un drone et on va me buter. J'ai vu plein de cadavres à punir. J'ai pensé à toi et je te pas. Ne jamais être trop gourmand, d'accord? Oh, attends. Ah. Ah, c'est gênant. Très mauvais spawn. Très mauvais. M'en fous, je veux le drone. M'en fous, je l'aurai. Ah, c'est gênant. Barre-toi quand même. T'as pensé à moi, c'est gentil ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est elle. Oh, joli. On a enfin le fragment quartier nettoyé. On a tous les quartiers nettoyés. Je devrais obtenir un trophée, mais j'ai désactivé les notifs à cause de vous qui m'invitez. Ça les a touchés? Alors, non. Ah, si. Les deux personnes que je préfère au monde dans la baston du siècle. Pas question de rater ça. Putain, vous pouvez pas savoir le nombre de temps que j'ai essayé de chercher ce drone. Tous les quartiers sont nettoyés maintenant. Tous les quartiers du DUP, 0% partout. Vous avez qu'à regarder. 0%. Ah, mais si on n'est pas disponible d'ailleurs. Je suis en cours. Ah, merci, c'est sympa ça. On va pas couper notre électricité. Oula, j'ai failli me prendre par contre. Putain, merci, mais c'est mon boulot quand même. Hein.
What? Par ralenti, on dirait. Occupe-toi des autres. Ah, il était pas mort, d'accord. Non. Non. Bah, merci de m'avoir protégé au lieu de faire ton con avec tes éclairs. Enfin, ta conne, plutôt. Quoi? Oh putain, j'ai cru que j'étais de l'autre côté, j'ai eu peur. Je m'en sortais très bien. Je sais, mais tu t'en sortais pas. Alors, t'as des envies d'escalade? Tu déconnes. Les deux personnes que je préfère au monde dans la baston du siècle. Pas question de rater ça. Bon, tu as détruit cette caisse de merde, là. Bon, tu me saoules, regarde. Des joujoux pour faire de la fumée. Voilà. Attends, exploser. C'est ce que le DUP mérite. Non, pas cool. Aide-moi. Mais attends, j'arrive, bam, direct sur moi, il tire même pas sur l'autre. Je m'en sortais très bien. Putain, j'allumais ma lampe torche comme Sébastien, que je suis con. Ah bah, fais gaffe ce que tu dis. Ah d'accord, il était caché quoi. Il fallait profiter. Je m'occupe de lui. Non, t'inquiète. Fais pas la conne. D'accord. Clac. Au revoir. Mais tombe. Mais c'est inadmissible. Tombez, monsieur. Mais... Non. Ouais, mais... Protège-toi, comme ça, moi aussi, ça me protège. Enfin, peut-être pas. Régène. Ouais, t'inquiète, regarde. Hop. Je t'ai quand même tué. C'était chaud, j'avais bugué, quoi. Je dois aller où, maintenant? En bas? Non, en haut. Ah mais comment? J'ai bien raison qu'elle allait avoir une mission, mais j'étais pas sûr. Ah là, ok. Attends, je comprends pas. C'est bien là? Pas du tout. Où est-ce que je dois aller? Là, je comprends pas, hein. C'est pas clair. Hein. Non, mais il y a aucune logique. Mais comment elle a fait pour aller tout en haut, elle? Attends. Ouais, je suis pas con. Est-ce que c'est ça? Bon, bah, j'ai mis sur le chouet. Hein. Ah ouais, très clairement. Non, mais en même temps, c'est où? Attends, tu vas pas me remettre à zéro. T'as bien de la chance. Fais voir un coup comment tu fais. Ah ouais, toi c'est simple hein. Elle m'a montré je crois aussi comment y aller. Connasse. Bon, pour les rageux, les haters, je dis connasse, c'est pour déconner hein, ok. C'est quoi, laisse-moi y aller en premier. Eh, ça marche bien ton truc hein. Ah ouais, ça marche bien. Ah ouais, ça m'a... Eh. C'est la perfection. Mais c'est tellement de la perfection. Vous pouvez pas comprendre. Attends. Je crois que j'ai capté. Ah mais j'avais plus l'habitude aussi. Ça fait longtemps que j'ai... Je peux. Oui t'inquiète. Non mais c'est pas que ça fait longtemps que j'ai eu ce pouvoir. Parce que dans la dernière vidéo je l'avais. Mais je vais... Non. Putain, je me suis trompé de touche. Bande d'enfoirés, d'enculés. Putain. Je veux dire, ça, j'avais pu le système sauter et puis faire ça en l'air en fait, pour voler. Ah vas-y, tire-moi dessus. C'est moi en first. Je peux. Ouais, je sais que tu peux. Je sais que tu sais que tu peux. Je suis là. Eh oh. Je regardais dehors chez moi là. Du coup j'étais pas concentré. Où es-tu là? Allez, envoyez-moi du lourd. 18h19, je vais te arrêter les vidéos là.
Il y a encore un petit 40 minutes. Et encore. Si je l'ai fini avant, Dieu, je sais pas. Ok, ok, c'est du lourd. Attends, j'ai une idée. Aïe, aïe, aïe. Oh merde! Oh non, fais-moi pas tomber. Ça, je m'en doutais qu'il y en avoir un en plus. Bon, ça moi aussi, hein. Ça va être utile, ça. Et j'espère qu'on la fera exploser, la tour, quand même. Ouais, mais là, on va où? Fais-moi voir le chemin. Là-bas. Fais-moi pas voir, hein. Je sais que tu m'as déjà fait voir, mais bon. C'est pas une raison. Oh, purée, c'est tellement haut. Oui, j'ai failli dire un mauvais truc. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, tombe pas, non, non. Sur la poutre? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est mort. Elle m'a dit quoi? Il y a un truc droit devant? Ouais, bah tu vois pas que je suis en train de tomber là? Tu vois pas que tu pourrais peut-être pas un petit peu m'aider là? Ça va être utile, ça. Attends, je reviens où là? Non, ça va. Logiquement, faut aller là, d'accord, on est tous d'accord à ce point là. Voilà, ensuite je vais où? Il y a un autre truc? Ah, d'accord, attends, c'est à gauche, non? Logiquement, ouais. Ouais, c'est là. J'avais pas vu ça avant. Bon, je crois que j'en ai eu. Par contre, non, 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 mais viens, elle vient m'aider l'autre ou quoi? Quoi? Mais arrête, vas-y, mais l'autre, elle doit partir devant, c'est elle qui a voulu m'accompagner, non? Ça va être utile, ça. Je le sais, arrête de répéter 36 fois la même chose, ça me saoule. Attends, grappe là, non, grappe là, ça va plus vite. Mais là. Oh là, je les ai. Eux deux ou pas? Ah non, j'essaie pas tous les deux déglinguer. Non, tu te protèges pas comme ça, hein. Laisse-moi. Regardez, regardez comment ils m'attaquent, mais c'est inadmissible. Mais allez, arrêtez, arrêtez, il y avait personne là. Putain, ça me saoule. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Purée, elle répète 36 fois la même chose, ça me saoule. Un peu là, voilà. Non. Vas-y, protège-toi comme un petit enfant. Vas-y, c'est bien court. Regarde. Voilà, t'es mort, donc ça va super. Non mais, vas-y, elle protège pas. Elle me protège pas, cette connasse. Putain. J'ai dit, j'ai pas l'habitude de rager dans mes vidéos, mais là ça m'énerve. Je meurs 36 fois. Ouais, tais-toi, franchement. Tu me sers strictement à rien, quoi. Elle part complètement au fond, alors qu'elle devrait être à côté de moi pour me protéger. Je suis désolé. Quand t'es à la guerre, t'es bien avec ton pote, à part si t'es sniper. Elle est pas sniper, à ce que je sache. Bon, tu sais quoi, je vais partir là. Voilà, je pars dans la grande rangée, voilà. Voilà. Parce que ça, c'est quasiment la même chose, voilà. Carrément la même chose, je pourrais même dire. Regarde, c'est moi qui est en train de faire tous les kills là, hein, je suis désolé. Je suis même en train de crever là. Et il se rend, tu vois pas? Par contre, là-bas, il reste quelqu'un que tu peux avoir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, elle tire complètement à côté. Raté. Où es-tu? Là. Ne vois pas tomber. Toi qui va tomber, voilà. Ça t'intéresse? Fetch, tu me sauves la vie. Fetch, à chaque fois je comprends. Hey, Fetch. Oula. Ce sera le moment de me filer un coup de main. Oh oui. Demande que tu recevras immédiatement. Oh, bien joué. Michel, tu vois, t'es vraiment un as pour remonter le score. C'est vachement pratique d'avoir des amis au placé. Ok, donc fallait pas tuer les elfes en fait. Bon, c'était rien, de toute façon il meurt à un moment donc. Puis c'est pas mauvais de les tuer. Au revoir. En fait ils sont méchants mais ils nous aident quand même. Donc faut quand même les tuer mais pas maintenant. Et où? Il est tellement puissant lui. Drainer la fumée, drainer la fumée. Drainer la fumée, j'en ai rien à foutre.
Putain, mais... On va encore me faire chier comme ça pendant longtemps, quoi. Il y avait drainé la fumée, je suis pas fou non plus. Et voilà, il y a plus de fumée. J'en ai rien à battre. Je veux ma fumée, moi. Bizarre quand même. Allez là. Ah ouais, bah comment tu veux que je vais, attends. Et t'arrêtes d'esquiver, putain. Regarde, esquive tout. Voilà, bah y a esquivé mes 5 missiles, j'en ai plus. Quoi? Bah ouais, bah en plus, ouais, vas-y, ça me saoule. Je crevais et tout, vraiment, et puis il me fait ça. C'est vachement pratique d'avoir des avions placés. Ouais, bah crie pas non plus, parce que là, pour ceux qui portent un casque, ça doit leur niquer les oreilles. Désolé pour vous, hein, mais c'est comme ça qu'il faut l'écouter. C'est bon, je m'en occupe, occupe-toi des hélicos plutôt. Et voilà, je tire un peu plus loin et ça compte pas. Ah là, je l'ai touché. Il faut que je grimpe, il faut que je fais quoi là? Joué, je sais pas si c'est moi qui l'ai eu, je crois pas. Elle sert vachement à quelque chose. Wrench, je sais pas quoi là, wrench. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est pas marqué aussi. Ouais, tu veux que je fais quoi là? Vas-y, 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 dis-moi, je lâche ma manette, vas-y. J'attends que tu m'expliques. Non mais sérieux quoi. Mais où est-ce qu'ils sont? Tu veux que je fais quoi à une hauteur comme ça? D'accord, mais j'ai pas assez de missiles. Hein. En fait, c'est tous les autres qui font. En fait, c'est un spectacle. Vas-y, on regarde. Waouh, c'est beau. Feu clair à jeu. Hein. Attends, tu vas me dire que je peux grimper? Et pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Vas-y, mollo avec les discours, Eugène. Non. Ah putain, j'aurais pu l'avoir comme ça. Yodacine, viens là. Tu vois ça? Déjà, tu me parles bien. Commence par me parler poliment. Et ne me dis pas, je ne te respecte pas. Parce que sinon, blême. C'est super bien fait, quoi. Regardez-le. Alors que je suis pas fan du tout de ces jeux-là. Je m'en fous, je nique encore les hélicos avant. Hein. Voilà, je l'ai eu. Oh, joli. Il en reste encore un. Oh, je me suis... Wow, l'hélice. J'adore les hélicos. Ah, ils l'ont eu? Non, il est encore là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je l'ai eu. Attention, ça tombe. Hein. Wow! Fais-moi pas tomber. Et pourquoi ils attaquent encore? D'accord, parce que ça continue. D'accord, 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 non. Voilà. On t'a eu, j'imagine. Voilà. Cool, ça. J'ai trouvé un nouveau tremplin. Tu t'appelles ça un tremplin, toi? Attends, je récupère. D'ailleurs, ça a même pas explosé. Voilà. Comment elle se déplace, elle? Ah, et se rendre. J'ai vu de plus malin aujourd'hui. Là, tu regardes son pote. Oh, bah merde, tu peux pas courir. Drainer la vidéo, on en a vraiment besoin. Utiliser mes nouveaux outils. Allez. C'est vrai que je commence à en avoir marre de l'autre. Je fais quoi là? Je fais ça? Ouais. Je crois bien que c'est ça. Ah! J'ai l'impression que tout le toit est blindé. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'es sûr que tu peux percer ça? Ouais. Ah, ça a été directement dedans, c'est cool. Pas comme tout à l'heure. Hein. Pas comme dans les autres vidéos, c'est bien plutôt. Je te protégerai du danger! J'ai dit tout à l'heure parce que je l'ai fait tout à l'heure. Non mais là, alors, comment tu veux que je me soigne là? Y a pas de coin pour se protéger. Expliquez-moi la logique de ce jeu. Il y en a pas, voilà. Allez-y, je vous spawn kill. Voilà, tu spawns et je te kill. Attends. Oh mais tu t'échappes aussi, espèce d'enfoiré. Regarde, spawn kill. Spawn kill, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je vais te spawn kill. Regarde, lui, je spawn kill. Viens ici, putain. Voilà, tiens, spawn kill.
c'est un spawn kill. Ça y est, vas-y Delphine. Tu rentres là-dedans et toi. Eugène et moi, on s'occupe. Non. Peut-être que. Attends. Non. Je ne veux pas aller dans son domaine, je veux continuer le combat, ok? Ah ouais, donc il faut viser l'hélico comme ça, d'accord. Spawn kill! Il est temps de prendre l'air. Elle est où la fumée? Ah mais j'ai pas assez aussi. Ah non mais comment je fais après pour que je récupère un truc vidéo? D'accord, ça y en a alors. Ah, ça pique. Les hélicos, ils sont où? Oh, je l'ai touché. Ça lui a fait mal. Tu vas devoir prendre de la hauteur pour avoir assez de puissance, tu mets. C'est le bordel! Alors pour ceux qui achètent le jeu, je vous conseille vivement. Au début, elle a l'air pas si cool, mais après, bon là, si vous regardez le let's play, vous êtes fait spoil, vous connaissez déjà, mais... Ah, si vous connaissez, vous êtes fait spoil quand même. Ah ouais, mais là, il était trop bas, mec, il était trop bas. Delphine, ce truc est encore vachement solide. Tu vas devoir mettre le paquet pour tout casser. Non, je sais pas, je pense pas que tu parles de l'hélico. Ah, mais comment tu veux que... Non mais là c'est impossible de l'avoir là pour moi. Déjà je vois rien. Ah ouais mais vas-y, bah oui, oui. Et là t'as le foucou alors, rien du tout hein. Allez au revoir, on arrive. Ah c'est pas suffisant. Et ah, c'est pas suffisant, je vais t'avoir dans quelques secondes. Le temps pour moi de te viser. Et c'est terminé pour toi. Voilà. Il tire sur quoi là maintenant? Ah d'accord, c'était ça qui était solide. Au final. Bien, tu es là. Je t'ai bien observé, Delsinro. Je t'ai testé quand tu as sorti ta tous les pouvoirs. De truc. Très impressionnant. Ah ouais? Moi aussi, je sais ce que vous avez fait. Vous vous êtes servi de Hank pour l'accident. Vous avez fait passer Eugène et Fetch pour des monstres, tout ça pour avoir Fetch, le bon. Voilà, Fetch. Il faut bien protéger les Ranch. Les protéger. Depuis 7 ans que mon DUP a repris la surveillance des porteurs à l'armée, il n'y a pas un seul des nôtres qui ait été tué. Oh, tu savais pas où ce qu'elle était, d'accord. Non, bien sûr, fais gaffe. Vous les avez juste traqués, enfermés. Oui, à cœur Duncan. Elle est complètement attaquée. Protéger des foules qui veulent tuer tous les porteurs. Je peux me permettre, tu commences à avoir un peu de barbichette. En dessous de ta lèvre. Alors vous avez pris cette décision pour eux, hein? Ces décisions sont trop importantes. J'ai bien vu comment les gens te regardent dans la rue. Et sa grand-mère, là, sa tante, je sais plus quoi, là. On la voit plus? Qu'un sans-pouvoir veuille embrasser un porteur? Je viens de la revoir à la fin. Tu dois utiliser cette popularité, cette confiance, pour les convaincre que la seule et unique solution à la menace bioterroriste est mon DUP. Savais-tu que plus de la moitié des porteurs qui sont morts dans des bains de sang il y a 7 ans ont été tués par les militaires? S'ils reprennent le contrôle, qu'est-ce qui te fait croire qu'on ne reviendra pas vite à ce bon vieux temps? Non. J'ai pensé à un truc vite fait, 2 secondes. Hein. En fait, si on aurait été méchant, en fait, on aurait peut-être dû tuer notre frère parce qu'il aurait pas été content. Je sais pas, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, je vais faire éclater la vérité. Sur vous et vos mensonges. Il est mort quand même. Non, dans tous les cas. Et on aurait été mort plus vite, je pense. Protecteur ici. Après, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est mort. Elle va se suicider. Je serai condamné à mort tous les porteurs. Je ne te laisserai pas faire ça. Non, je pense pas. Alors essayez de m'en empêcher. Du coup, vous avez déjà essayé de m'en empêcher. Attends, elle est beaucoup plus puissante là, l'univers n'est pas le même. Ouais, elle est beaucoup plus puissante. Comment je fais là? Il n'y a aucune carte.
J'ai munitions infinies, bah en tout cas pas les grenades. Hein. Oh les tirs ils se retournent. Le karma il a failli augmenter encore. Ah peut-être là il est maximum en fait. Bon. Ça peut-être je peux prendre. Ouais. Eh hey Ok, on pourrait lui le shooter un coup dedans. Oh, je suis mort. Bah ouais, mais attends, mais elle me spawn kill, je vous dis. Voilà, déjà, tu me donnes toutes mes grenades au début. Et ensuite, je te shoot dessus. Si possible. Attends, mais vas-y, esquive toutes mes attaques, vas-y, vas-y. Faut mourir un moment. Oh, alors là, vous êtes morte, madame. Elle est où? Elle est où? Mais t'es sérieux? Il dit pas qu'elle était tombée à terre et que j'ai loupé. Vas-y, vas-y. Tyrande blessé. Enfin, tyran, mais moi je dirais tyran. Est-ce qu'on peut monter? Ah non, hein, bah non. Vous êtes en train de tout détruire votre bâtiment public là. Ah non, c'est pas public, excusez-moi, je me suis trompé. Non, spawn kill pas moi. Enfin, c'est pas français, mais c'est pas grave. C'est anglais. Ne me spawn. J'arrive pas à le dire en fait. Ne me spawn kill. Tu ne me spawn kill. Ouais, en fait, ça se dit, tu ne me spawn kill pas en fait, vu que c'est pas français. Ça veut dire, tu ne me tues pas. En spawnant, enfin je sais pas le français donc. Bon, bref, on s'en fout. On est là pour jouer. Elle est là pour crever. Elle continue, moi je vais tirer comme ça, hein. Voilà, ça va plus vite. Hein. Connasse. C'est ce que j'ai à dire. Voilà, une télé en moins. Aïe. Peut-être une mort en plus. Non. Alors là, au revoir, madame. Ah ouais, là, c'est une autre façon, ça. Ouh là là. Tout ça sur cette personne. Tu veux mon pouvoir? Si tu insistes. T'aurais peut-être pas dû faire ça, t'as peut-être une connerie, là. On connaît l'histoire là maintenant du coup. Il y a 7 ans, ouais. Mon unité devait sauver la population d'une nouvelle menace. Les porteurs. Des gens dotés de pouvoir qui nous dépassaient tous. Ils étaient capables de tuer. Et de transformer certains d'entre nous en porteurs. Pas se rendre, mais pour pas se faire tuer. J'ai trouvé une autre survivante. Elle m'a suivi alors que j'essayais de regagner la protection de mon bataillon. C'est pas celle qui parle. Ensemble, nous avons sillonné une ville en proie au chaos. Je veux dire celle qu'on doit tuer. Augustine, c'est pas elle. À cause de notre différence. Augustine, c'est celle qui parle. Ouais. Chaque jour, les lâcheurs se faisaient plus nombreux, horrifiés à l'idée que des porteurs puissent se cacher parmi eux. Nous n'avions blessé personne. Mais pour eux, nous étions des monstres. Quand les militaires ont repris le contrôle de la ville, c'est nous qu'ils ont pris pour cible. J'étais une porteuse. J'étais un soldat. Mais je ne pouvais pas être les deux. Alors, j'ai fait un autre choix. C'était la seule solution. En capturant le premier porteur vivant, j'ai gagné la confiance du gouvernement. Et ça... ce n'était qu'un début. Ils ont financé la création du DUP en pensant que nous n'étions que des monstres qui traquaient d'autres monstres.
C'est marrant les différents types de postes quand tu lui proposes la coption. Quand t'appuies sur X, ça reprend. Mon but était de sauver autant de porteurs que je pourrais. Si mes semblables devaient vivre, ce serait entre les murs de Cœur d'Alkai. D'accord. Je sais pas bien ce que tu fais quand même. Et là, du coup. Ça fait 7 ans que je la protège. Moi, je ne laisserai personne tout gâcher. Et le gouvernement... d'Augustine bug un peu. C'est pas grave. Ni l'armée. J'ai trop bien fait le tapis. Ni toi. Tout ce que vous avez fait en 7 ans. Le pouvoir, c'est pour je les garder enfermés. Vous leur avez pris leur liberté. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu ouvrirais les portes de Cœur d'Alkai, c'est ça? On va enfin un choix, c'est tu ça? Tu les laisserais sortir? Bien sûr, c'est ce que je ferais. Le monde n'a pas changé ces 7 dernières années. Entre ces murs, les porteurs sont à l'abri. Ils sont en vie. Libère-les, ils seront tous morts en une semaine. Alors dis-moi, qui est le sauveur? Et qui est le monstre? On va devoir faire un choix. C'est ce que tu voulais. Tu as gagné. Nous avons tous les deux les mêmes pouvoirs. La seule différence, c'est que j'ai eu 7 ans pour m'entraîner. C'est bien qu'elle crie comme ça. Ah non, c'est pas fini. Alors on a le pouvoir là. Infini peut-être. Wow, mais c'est quoi ça? Bon là, je peux pas me déplacer rapidement. Je peux pas tirer rien du tout. Mais... expliquez-moi. Est-ce que je peux aller au chien? Non, c'est l'ascenseur. Bah au pire, je prends l'ascenseur. C'est très dangereux, mais c'est pas grave. Ah, what? Attends, mais je peux pas me déplacer. Ouais, mon bonhomme est un peu plus petit là. Qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur un truc. Ah, d'accord. Oh, même pas de bruit quand il pète. Ah, merci. Nouveau pouvoir. Elle m'a donné le pouvoir, mais en fait, elle a pensé que j'aurais pas de pouvoir. Enfin, elle m'a donné son pouvoir, mais il faut les capacités pour l'utiliser. Oh yes, les gros bétons là. Oh wow. Est-ce que je pourrais l'utiliser à la fin du jeu? Ça serait stylé. Oh what? Hello. Eh hey, monsieur. Non. Ah, oh, attends. Ah, non, je peux carrément faire ça en fait. Monsieur, comment ça s'appelle déjà? Qui ressemblait à un jeu là. J'ai vu. Pas l'ombre de la guerre. Ah, Skyrim, voilà, Skyrim. Ça n'a rien à voir, hein, évidemment. Là, je n'ai aucune attaque, c'est pour me déplacer vite. C'est gentil, mais. Ah, monsieur Skyrim, oui. J'arrive. Je sais pas si beaucoup détestent que je dis ça, mais. Un truc qui me fait tirer, ça serait pas mal. Voir même des bombes. Pendant ce temps-là, là. Ok, ça me fait tirer. Personne dans la rue, quoi. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ah, c'est pas fini par contre. Je sais pas s'il faut que je vise la tête ou en dessous. Oh! On n'a pas un autre monsieur Skyrim de trucs là. Waouh waouh waouh. Roule en boule, c'est ça. Oh what? Attends. Je peux amorcer un miracle. Putain, faut toujours pas parler trop vite. D'accord, donc là il y a vraiment sa vie, donc ça va être vraiment la fin quoi, d'accord. Eh ben, sa vie, elle est grande, hein, je te le dis. Juste qu'il faut que je me dépêche, parce que... si je veux faire un montage vite fait, il faut que ça dure moins d'une heure. Donc ça va être beaucoup plus long, le rendu vidéo. Bon, je vais faire en deux parties, ça. Je crois qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vie que ça, hein. Ah! Non, tais-toi, regarde. Hop, sur Zigounet. Ah bah, attends. Voilà, je l'ai refait. Voilà. Non, ça, c'est pas gentil, ça.
Moi, je suis un être gentil, tu vois, je te parle, hop, et tout. Et toi, tu me lances des comètes missiles nord-coréens, là. Arrête ça! Putain, il est malade. Plus, ouais, elle, parce que là, c'est la dame qui est dedans, mais non, c'est... Oh, en plus, c'est une pierre, donc... Ouais, c'est bien, elle. C'est dur à voir avec ces graphismes, en fait. Faut avoir des réflexes de ouf. Oh, j'ai détruit sa tête. Ah, mais j'ai plus rien maintenant, t'es marrant. Vas-y, 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 envoie, comme ça tu vas me donner du pouvoir en plus. Sprint, Usain Bolt. Je sais, il a pris sa retraite, on s'en fout. En fait, où est-ce qu'il les trouve? Dans la tour, certainement. À quoi ça me sert, ça? D'accord, elle va faire ça ensuite, d'accord, je vais te comprendre. Logiquement, tu me remets là où ce qu'il vient de ramener un truc, hein. Si je meurs, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Dépêche-toi, par contre. Et si j'appuie qu'une fois, ça fait un roulé? Même pas. Ouais, je l'ai encore, ça va. Ah, je peux aller au-dessus de lui, attends. Pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. Cours, cours. Oh, oh. Pas screamer non plus, là. Je sais pas si c'est en fonction de ce qui me reste, qui vient me ramener différents pouvoirs. On me rejeune en plus. Ils sont là, là, les trucs de pouvoir. Attends, mais j'explique aussi ma vidéo. De manière à ce que tout le monde comprend. Comprenne même. What? Oh shit! Ça sert donc à ça. Nani. J'ai bien dit Nani, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous avez bien entendu. Peut-être que certains non. Non, 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 non. T'as pas le droit de me faire ça. Si je me cache dans ce petit coin en position fétale, ça marche? Apparemment, oui. Telle la lâche. Non mais je suis désolé, quand j'ai plus de vie, j'ai que ça à faire. Hein. Enlève ta vie. Attention. Usain Bolt. Faudrait pas si vite que ça. Hein, Ah, c'est quand t'es en l'air que tu fais ça, ça fait une boule. D'accord, je vais te comprendre. Faudrait pas si vite que ça, les hommes béton à qui j'ai affronté. Ah non, il était pas là, il était de l'autre côté. D'accord, d'accord. On voit plus rien, on voit plus rien, on voit plus rien. Moi j'ai le droit parce que moi c'est moi. Ah voilà, regardez, j'ai plus de pouvoir et du coup de moi-même. Ouais, mais tu sais, tu peux m'envoyer un peu plus près, ça serait un petit peu mieux, tu vois. Non! Quoi? Non! Il me remet... Oh, l'enculé, désolé, hein, mais... Ah ok, je reviens tout de suite. Je suis mort une fois en plus, hein. Vas-y, prends, 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 prends. Toi, t'es malade, toi. Voilà, des bombes, c'est cool, ça. C'est moins puissant quand il fait ses bras, là. On n'a que trois. Un barrage de béton, ok. Feu. Faire gaffe quand même. Faire gaffe quand même. Ah, je sais pas si je l'ai raté celui-là. Je crois que non, j'ai un peu touché. J'ai tiré? Non, j'ai pas tiré. Et l'autre non plus? Eh mais, ça me le compte pas. Attends, saute. Waouh. Je pensais pas qu'elle me le faire d'affilée. Aïe, 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 aïe. Il enchaîne là, il enchaîne, elle enchaîne, pardon. Mais ce monstre, un monstre. Désolé, mais ça si. C'est pas un monstre. Non, mais en fait, ça se rejette automatiquement les bombes. Je suis désolé, mais là, il matraque le bouton de tirer dessus, c'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me.
Mais non, mais arrête, putain. Mais je cherche mes mots, là. Il spawn le... Il spam, voilà, il spam. C'est ça, putain, à chaque fois, je retiens pas. Ça m'énerve. En même temps, j'aimerais finir ça au plus vite. Dans 8 minutes, j'arrête de tourner, donc... Moi, je pense pas que je l'aurais fini aujourd'hui. Hein. Enfin, dans cette vidéo, oui, mais... Je pense que vous entendrez une nouvelle voix. J'aurais vieilli. Lol. Je dirais que c'est dans 5 ans plus tard. De toute façon, d'ici le temps que cette vidéo sort, j'aurai encore plus vieilli, donc... Mais nique ta sœur, putain. Non, je suis mort, je suis mort. Franchement, elle est encore plus dure que le boss de là. Regardez ça avec ces comètes là de merde. Ça s'appelle pas du spam, ça. Ça s'appelle pas du spam. Vas-y, bah envoyez des pubs chez Leclerc. Ouais. Sors. Vas-y, on est dans Fort Boyard. Tu peux pas m'envoyer un truc pour me mettre à checkpoint là, s'il te plaît. Regardez, presque la moitié de sa vie, il faudrait peut-être mettre un checkpoint, après encore un, et puis après c'est fini. Oh putain, non! Oh, le réflexe que j'ai eu! Là, tu vas plus m'envoyer de caisse, j'imagine. Bah, tu peux pas m'aider, en fait. Dehors, j'imagine qu'il n'y a plus rien. Pour vous. Non, s'il te plaît. C'est pas le moment de... Non, c'est pas le moment, s'il te plaît. Non. Non, elle me spam. Oh, cette conne, elle me spam. Non, putain, non. Pas maintenant. Putain. Non, j'ai bugué. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh oui. Mais bouge. Tout ça marche jamais quand c'est un checkpoint, donc c'est chiant ça. Normalement j'en ai un là, mais je suis pas sûr. C'est pour ça, meurs pas. Allez. Putain, mais je le vois pas. Voilà, tire en haut, c'est très bien. Ah là, tu joues très mal, toi, là. Bien joué, là, par contre. Non, on fait jamais ça. Là, je vais faire son... Ah ouais, mais elle est du mauvais côté, là. T'énerves, là. Non, parce que là, je suis en train de m'amuser. Parce que là, je suis en train de t'avoir. Cette action. Allez, elle est presque morte. Putain, non. Sois pas trop gourmand. Sois pas gourmand tout court. Gourmandise, c'est pour la fin. Allez. Yes. C'est fini ou pas? Et là, on va devoir achever. Oula. Ha. Pourquoi t'as voulu me donner ce pouvoir, hein? Ouais. T'étais dans la merde. Il paraît que ça fait mal. Ah oui. Et là, elle est blessée. Une fois la poussière retombée, tout ce qui restait d'Augustine, c'était ses yeux qui émergeaient d'un bloc de béton. Ce n'était plus du tout de la fureur qu'on pouvait y lire à présent, mais plutôt de la peur. On avait réussi à réduire sa forteresse en cendres. Mettre son armée en déroute. Mais je peux voir la forteresse en train stopper de se détruire. Tous ses plans. C'est de la fin, là. Le monde entier allait bientôt découvrir qu'Augustine avait lamentablement échoué. Anéanti par un gamer. C'est dommage, la fin, junkie et un pauvre délinquant. La foule s'était embrasée quand Augustine avait été emportée. Et avant tout ça, personne n'aurait jamais imaginé un avenir rassemblant humains et porteurs. Et j'étais celui par qui le changement allait arriver. Et pour tous ces porteurs qui avaient passé des années enfermés à Cœur d'Unkey,
Ils allaient bientôt retrouver leur liberté. Ils pourraient vivre leur propre vie et choisir leur propre avenir. Quant à moi, j'avais bien eu ce que je cherchais. Maintenant, il me restait à tenir ma promesse. Fin. Ne dis pas que c'est la fin. Betty. J'ai eu peur. Ah, je voilà. Suis... J'avais dit, il faudrait qu'on la revoie à la fin. Ah, tu as guéri. Ouais. Ah, il était encore blessé. Tout est parti. Une promesse est une promesse. Et tous les autres? J'arrive à peine. Je voulais d'abord te voir. Elle a réussi à se lever depuis le temps qu'elle est dans le lit. Une rééducation, enfin. Il n'y a pas plus plusieurs années, mais. On doit s'entraider, pas vrai? Un moment, quand même. Enfin, pas plusieurs mois non plus. Fallait quand même blesser. Oh merde. Reggie. C'est elle qui est derrière. Oh non, tu vois, il va pas faire de flashback. Hein. Il va le peindre peut-être. Enfin, on va le peindre. Pas de flashback par contre. Il va peindre Reggie, non? Je l'avais dit. Attends. Là, il est émotionné. Logiquement, c'est ça. Ça lui ressemble trop. Hein. Okay. C'est ça qui fait, bah je suis là derrière. Mais c'est pas possible. Faire la peinture quand même. Oh putain, trop stylé! Il aura su que t'auras fait une peinture pour lui. C'est fini? Putain, il aura mis les Red Chili Peppers, tu sais. In Famous Second Soon! Et voilà les amis, c'est la fin de ça. Non, c'est pas la fin de cette vidéo pour le moment, mais c'est la fin de ce let's play. Franchement, les musiques sont trop stylées. Donc, j'ai donné ma note. Par contre, le son est un peu fort, donc je vais essayer de parler un peu plus fort, non? Franchement, j'ai adoré le let's play. Je m'hésite sur la note. Bon, d'abord, je vais vous dire. L'histoire, elle allait du bof au génial. Enfin, c'était pas bof, mais c'était... Comment dire? À chaque fois, je m'exprime bien. J'essaie de bien vous expliquer, quoi. Putain, dans moins d'une minute, je termine de tourner. Bon, tant pis, je vais rallonger. L'histoire a été bien, c'est juste qu'à un moment c'était un peu tout le même et tout. La musique elle est trop bien, j'adore. Non, je la chercherai sur YouTube. Il y avait un open world génial, je pense qu'après on peut y retourner. Des missions secondaires géniales, d'ailleurs on l'a pas fini. Hein. Il y aura, je sais pas combien de let's play encore, mais il y a encore Paper Trail, je sais pas quoi à faire. J'irai voir sur le site et tout, dès que j'arriverai je tournerai les vidéos. Je pense que d'ici que cette vidéo sort, j'aurai déjà fini de tourner depuis longtemps. À 19h je devais finir de tourner, bon je continue. Les musiques sont superbes, franchement si je devais mettre une note sur les musiques, 10 sur 10 sur le choix des musiques. L'histoire j'aurais mis un petit 8 sur 10. Open world, non pas de note sur l'open world, enfin, j'aurais mis un 5 sur 5. Mais je peux pas noter parce qu'en fait je note généralement. Franchement le jeu... Ah c'est dommage parce qu'on a une superbe fin. Mais on voit pas la mort de la femme en fait, je sais pas si elle est emprisonnée ou morte. Je dirais morte. On aurait pu la voir mourir, c'est con ça vraiment. Du coup je lui mets 16,5 ou 16. Parce que c'est... Ouais c'est 4 demi-points mais c'est... ça fait quand même la différence. Bon allez 16,5 parce qu'on a vu sa grand-mère à la fin et puis il a peint son frère. Alors, franchement je pense que c'est un fake, hein. J'avais une vidéo comme quoi ils auraient fait le 2 mais ça aurait été cool. Je sais qu'il existe plusieurs Infamous mais c'est pas Second Soon je crois. Non franchement ce jeu il était super, je pensais qu'il aurait été dur parce qu'il y a beaucoup d'attaques, de boutons à faire. Mais franchement non il est super bien fait, les choix des personnages ils sont géniaux aussi. C'est cool qu'ils mettent des petits trucs à côté pour ceux qui m'écoutent et qui regardent les images en même temps. Le jeu est super beau aussi, super beau. L'histoire était assez longue je trouve. Pas compris ce que c'était marqué, il y avait une, je pense une phrase de fin. Je sais pas si on peut passer. En pause, tu sais. Non, je peux pas passer.
Je pense pas que je l'aurais fait. Bon bah... Franchement, un super jeu. J'espère que j'ai pas un copyright quand même avec cette musique, pitié. Hein. Sinon j'essaierai de le supprimer. Non, je laisserai, tant pis. C'est pas un gros copyright, logiquement. C'est juste que je pourrais pas monétiser. Oh, c'est pas très grave. J'ai même pas énormément d'argent. Hein. Ça c'est les musiques, non? C'est intéressant à voir. Bon, malheureusement, je pense que cette vidéo durera plus d'une heure. Enfin, dure plus d'une heure. Logiquement, je devrais dû faire un gros montage, là, ça va être chiant. C'est pas que c'est chiant de faire le montage, mais c'est le rendu vidéo qui va être long sur le logiciel de montage. Sinon, je fais sur Shark Factory, parce que c'est pas un truc avec beaucoup de montage. Mais juste les séquences, je coupe et tout. Et là, je vais devoir rajouter le tout, et Shark Factory, c'est en dessous d'une heure. Donc, je pense même qu'une heure, ça marche pas, donc, hein. Tant pis, on va laisser comme ça. Jamais vu mon nom dans les... Jamais Voice. Ce jeu, il est américain, si je dis pas de conneries. Ou japonais, je sais pas. Japonais, ça m'étonnerait pas, mais ça me choquerait un peu. Moi, je pense américain, quand même. Putain, les musiques, mais ils sont stylés, quoi. C'est John Williams qui a fait les musiques, ou quoi? Parce que John Williams, c'est le deuxième mondial, il me semble, s'il n'a pas changé. Premier mondial, c'est Disney, mais bon, Disney, c'est une entreprise. John Williams, c'est un peu tout seul. Enfin, c'est lui qui crée, et puis après, les autres suivent. Mais vu que... je vais dire un truc, rien à voir, Star Wars, c'est John Williams qui a créé les musiques, les deuxièmes mondiales. Mais vu que Disney l'a repris, maintenant, pour moi, il y a le premier et deuxième mondial, donc on a les meilleures musiques dessus. Et là, c'est pareil, ça aurait été John Williams, pour moi, c'est le best, hein. Parce que Disney, c'est une entreprise aussi, c'est... Enfin, une entreprise, c'est... pas une société, mais je... Bon, vous m'avez compris, c'est un groupe, voilà. Tandis que John Williams, c'est pas le groupe John Williams, c'est le mec avec ses... ses musiciens. Special thanks. Ah, Simon, bah, dédicace à toi. J'ai un pote qui s'appelle Simon. Ah, ça va assez vite quand même, ce titre de fin. Hein. Parce que dès que t'as les dessins, ça va. Est-ce qu'il y aura un petit truc de fin, une petite cinématique? Ce serait cool. Logiquement, oui. Ah non. Alors, félicitations, votre victoire sur Augustine DUP fait de vous un héros et améliore la... pardon. Et quoi? Et améliorer la vie des porteurs? Ok. Dans le monde entier. Notamment Fetch. Ah, c'est. Ouais, Fetch, n'importe quoi. Wrench aussi, tant qu'il y est. Fetch et Eugène. Vous avez choisi de défendre la justice, mais si vous vous demandez ce que vous avez raté, les sombres pouvoirs, les méfaits et la mauvaise influence de vous auriez pu profiter, vous pouvez toujours recommencer l'aventure et choisir une voie différente. Mais d'abord, scellez-vous l'histoire en chassant définitivement le DUP de Seattle. Continuez jusqu'à ce que tous les quartiers soient libres et que tous les précieux fragments soient en votre possession. Ben, c'est un peu fait. Et justice, c'est marqué en haut à gauche. Eh hey, mais le jeu il est beaucoup plus beau là. Regardez. Enfin il est beaucoup plus beau mais... C'est vide. Ah j'ai encore pouvoir là du coup, génial. Attends, est-ce que je peux faire comme ils ont fait voir... Oh pardon. Oh merde, pardon. Ouais justice hein. Non mais je veux pas devenir un DUP. Est-ce que je peux bousculer les voitures? Ah mais c'est génial. Enfin c'est très peu mais... Ah ouais, c'est moins génial. Ah c'est quand même génial. Bon bah du coup c'est terminé. Voilà, il y aura cette mission là que je ferai un peu plus tard. Je sais pas combien de temps elle durera. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir tout de suite. Mais je pense que c'est un truc avec un karma maléfique, donc je risquerai pas de faire. Bon bah à tout de suite. En tout cas il y a encore le DUP hein. Ah je peux pas monter à travers comme ça. Ouais mais enfin notre pouvoir hein. Bon, on va dire que le DUP est quand même éliminé très bientôt. Ok, donc qu'est-ce que c'est que ça? Juste pour voir. Ok. Et c'est quoi ça? C'est une dernière map? Putain, j'aurais pas dû faire ça maintenant. Je vais le faire pour une prochaine vidéo, d'accord? Bon bah sinon les amis c'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas fait, et nous on se retrouve pour une très prochaine vidéo, moi je vous dis ciao tout le monde. Donc, on...